Mais c'est hyper simple. Mais c'est les agences de voyage qui ont créé ça. Comme ça, ça fait 2 en 1. Et oui. On visite New York tout en visitant la France. À Poitiers. Voilà. Ah ben les Chinois, ils sont hyper contents. Hein. Bon, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas pour rien qu'il y ait une tour Eiffel à Los Angeles. Hein. Il existe de nombreuses répliques du fameux monument sculpté par le français Auguste Bartholdi, et ce, même à Poitiers. La statue est située place de la Liberté, oui je sais c'est original, et c'est à Jean-Baptiste Breton, général du Premier Empire, que nous la devons. Mais il faut revenir en arrière pour bien comprendre son histoire. Or anciennement nommée place du Marché Neuf, puis place du Pilori sous l'Ancien Régime, c'est pendant la Révolution qu'on surnomme le dit lieu place de la Guillotine. Aïe aïe aïe, attention, on y arrive. En 1822, Jean-Baptiste Breton est condamné à mort pour avoir comploté contre Louis XVIII. Avant de se faire guillotiner, ses derniers mots furent « Vive la liberté ». C'est donc en son hommage que ses frères francs-maçons renommèrent le lieu en 1900, puis firent installer une réplique de la statue de la liberté en 1903. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, moi faut que je vous laisse. Apparemment, il y a une autre statue de la liberté à Bordeaux, je vais aller la découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao !